Concentration de José. Voilà. Et sans rien forcer, connecte-toi à ce qui émerge, à ce que tu perçois, à ce que José t'envoie comme information. Oui. Oui, j'ai déjà des sensations. Je sens comme elle trépigne. Je sens comme un, oui, une impatience, comme même un peu d'énervement, de... comme si je la percevais qu'elle sautille sur, qu'elle sautille sur place. Ah, je ressens comme de la colère. Je crois que c'est lié à une frustration. Et là, je la vois que c'est comme si elle prenait une grande respiration pour se poser, se calmer, être pleinement là. Elle me parle de questionnement. Elle a beaucoup, beaucoup de questionnements. Elle a beaucoup de questions, mais elle trouve qu'elle a peu de réponses. Et elle essaye de mettre de l'ordre dans tout ça. C'est marrant, elle me montre comme si elle faisait sur un papier qu'elle faisait des colonnes pour s'y retrouver. Ça, il faut que je trouve des solutions. Ça, c'est réglé. Ça, c'est en phase d'être réglé. Enfin, dans l'énergie, c'est ce qu'elle me montre. Oui. Donc, elle essaye de trouver des solutions pour s'y retrouver, c'est ça? Oui, comme si elle voulait mettre de l'organisation dans tout ça, avoir un certain contrôle. Comme s'il y avait des choses qui lui avaient échappé, échappé de son contrôle. Et après, de son point de vue, ça devient difficile après à réaligner tout ça. Mais là, c'est comme si je la voyais tourner la tête dans tous les sens, regarder dans toutes les directions. Et ça, cette impression que quand il y a un souci qui est réglé, il y a autre chose qui arrive et ça commence à la fatiguer aussi. Elle me parle vraiment de contrôle. Il y a comme une envie de pouvoir lâcher prise aussi sur, sur les événements, de pouvoir prendre plus de distance. Plus de hauteur pour en être moins affectée. Ouais, elle me montre comme si, comme un oiseau qui est dans le ciel et qui regarde les choses, mais d'un autre point de vue et en n'étant pas atteint émotionnellement, ou y a l'idée de ne pas être perturbée par ce qui se passe. Elle me parle de carapace. Ouais, elle me montre une tortue, tu vois. Comme si elle voulait avoir une carapace et de temps en temps pouvoir souffler un peu à l'intérieur de cette carapace. Parce que là, quand elle me parle de ça, ça me noue l'estomac. C'est comme si c'était ouais, une angoisse là, Dans l'estomac. dans l'estomac, oui. Et j'entends de nouveau le mot frustration. Comme si elle voulait être par moments être tranquille et que tout soit fluide, que tout coule comme de l'eau. Avancer sereinement. Elle me dit qu'elle dénoue des nœuds. Là, il y a quelque chose en rapport avec la famille aussi. Comme si elle dénouait des nœuds aussi par rapport à la famille. Je ne vois pas trop où elle veut en venir. On va voir, elle t'en dira plus après. Comme si voilà, elle prenait en charge aussi, je la sens très responsable, tu vois.
qu'elle a besoin comme si elle mettait son petit grain de sel dans les affaires, qu'elle a envie d'intervenir et de régler des choses. Mais elle absorbe au niveau de l'estomac, j'ai l'impression, parce que ça c'est vraiment comme une sensation un peu désagréable. Mmh. Et je la vois beaucoup en mouvement. Et là, elle me parle quand même de raideur, parfois dans le corps. De crampes ou les articulations, quelque chose. De douleur dans le corps? Oui. Que là aussi, elle voudrait que ce soit plus fluide, mais ça me parle d'une idée d'une certaine rigidité ou de rester campé sur ses positions, sur certaines choses, et que ça s'imprime aussi dans le corps physique. Comme si ça apportait des raideurs ou tu vois des... Là, comme tu sais, parfois que tu tournes le cou un peu trop brutalement et puis aïe, t'as mal et c'est un peu ça que je perçois. Je vois très bien. Oui, je vois très bien. Là, cette rigidité-là qui peut s'emparer de nous quelquefois et qui est vraiment le reflet d'un mode de fonctionnement. Tout à fait. Et là, ça vibre dans mes mains. Elle me montre, je ne sais pas, comme s'il y avait un flux d'énergie dans les mains. Mais ça me parle plus de perte d'énergie. Comme s'il y a de l'énergie qui s'échappait de ses mains, mais je vois surtout sa main gauche. Comme s'il y avait de l'énergie qui fuitait par là. Ok. Oui, comme s'il y avait des trous au bout des doigts. Oui. Enfin, c'est symbolique. C'est, oui, oui, j'ai bien compris. Et de là, oui. Et de là, l'énergie s'échappe. Oui, elle dit c'est comme s'il fallait colmater les points. Fuite d'énergie, déjà, on va aller voir. Oui. On ira voir d'où ça vient, bien sûr. On colmatera qu'elle se rassure. Oui, parce qu'elle dit que ça la vide de son énergie. Et pourtant, elle en produit beaucoup. Elle produit beaucoup d'énergie? Oui. Est-ce que c'est lié à ce mouvement que tu vois tout le temps? Ou pas? Non, ça me dit qu'elle capte beaucoup d'énergie, qu'elle en a. Elle a comme un bon potentiel, mais qu'il y a des fuites. Ah, d'accord. Donc, cette énergie, elle la capte depuis la source? Oui. D'accord. C'est comme si elle brûlait plus de calories. Qu'elle n'en consommait. Oui. Qu'elle en recevait, quoi, du coup. Oui. J'ai fait le lien avec la nourriture, c'est parce que j'ai faim. C'est 10 heures, j'ai déjà faim. Ok. Donc, je récapitule. Dans l'énergie José, elle produit énormément d'énergie puisqu'elle en capte, elle en reçoit de la source, tout se passe bien, mais en revanche, il y a des fuites. Et ces fuites, toi, tu les vois qui s'échappent par ses mains, ses doigts. Ok ? Oui, c'est ça. Allez, super. Alors, on continue, puis bien sûr, on ira voir après José hein, pourquoi il y a ces fuites et on ira faire les réparations nécessaires. Mais pour l'instant, je laisse Sonia vraiment remonter toutes les informations. Voilà, je vois comme si son côté droit était plus sombre que son côté gauche. Bizarrement, c'est du côté gauche qui a cette fuite. Oui, ok. Alors, prends l'information et puis regarde un peu ce qui se passe. Je la vois comme si elle était... elle passe, il y a une porte et elle est comme dans la partie gauche est encore de l'autre côté dans la pièce et elle est dans l'ombre.
Non, la partie droite, oui, est dans l'ombre et la partie gauche est sortie, elle est visible et elle est plus dans la lumière. Voilà, je ne comprends pas trop l'image. C'est la partie droite qui est là, qui est dans l'ombre. Oui, c'est ça. La partie gauche dans la lumière. Demande-lui pourquoi elle se montre comme ça. Parce que franchement, elle est bavarde, donc tu peux y aller, hein. Oui. Elle répond bien, je veux dire bavarde dans le bon sens. Elle développe, donc c'est cool. Oui, elle me dit elle, comme si elle se sentait divisée. Coupée en deux. Coupée en deux, oui. Il y a, elle me dit il y a encore un, comme un combat entre l'ombre et la lumière. C'est comme si il y avait des choses qui remontent en conscience et qui. Des anciennes choses. Est encore dans la dualité, quoi. C'est Oui, ça? qui remonte et qu'elle voudrait transmuter tout en lumière. Oui, ça va se faire petit à petit. On est dans la période où on transmute. Que ça semble pas aller assez vite à son goût. Il faudrait que ça. Il y a comme une idée de forcing là, tu vois, et que. Finalement, elle se bloque elle-même. Elle bloque les choses, elle ne laisse pas laisser faire le mouvement naturellement. Comment elle s'y prend pour bloquer le processus? Mais elle le bloque en fait par l'intention de vouloir passer des étapes. Ah. C'est par l'intention que. À vouloir aller trop vite sur certaines choses. C'est comme s'il y avait des choses qui devaient remonter. Il y a un mouvement naturel. Ça doit se faire progressivement. Et là, elle me montre comme si elle allait chercher les choses et pour en être vite débarrassée et transmutée. Mais l'intention de forcer, mais ça coupe le mouvement naturel et ça bloque et ça divise. Voilà. C'est ce qui vient. D'accord, okay. Très bien. Elle me parle de ses rêves, qu'il y a beaucoup de souvenirs d'anciennes vies qui remontent dans ses rêves. Il y a quand même l'idée que ça la perturbe. Voilà, là maintenant je la vois comme si elle était assise et bon, elle dit plus rien. Lui arrive. Elle se recharge, elle me dit. Ah, se recharge, d'accord. Ben, alors pendant qu'elle se recharge, ben, tu fais le tour toi de son espace énergétique et on va voir ce qu'on peut mettre en place. Elle me dit qu'elle ressent comme si elle était épiée, comme si on observait ce qu'elle fait. Tu vois, comme si de temps en temps, des énergies qui l'approchent et elle sent qu'on la regarde. Et pourtant, là, je vois qu'elle a une bulle de protection et que qu'elle n'est pas atteinte. Quelquefois, on peut être épié. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, mais c'est pas méchant, hein. C'est juste qu'il regarde qui tu es, qu'est-ce que tu fais là. Est-ce que c'est ça pour elle aussi? Oui, c'est ça, c'est comme s'il y avait des énergies qui étaient poussées par la curiosité qui passent et oui, c'est vrai que ça me dit que c'est ça fait partie de la normalité, mais elle le ressent. Elle ressent. Elle ressent. D'accord. Sonia, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu vas figer un moment où José ressent qu'on l'observe et où des énergies sont là près d'elle. OK? Je compte 1, 2, 3. Maintenant connecté à un moment où José est
en présence de ces énergies qui les observent. Une image figée, simplement. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces énergies-là? Alors déjà, ce que je vois, c'est que je la vois debout, elle est occupée dans sa cuisine, et je vois qu'elle ressent quelque chose et elle a tourné la tête vers l'arrière, comme si elle sentait une présence, quelque chose. Oui. Et là, les énergies, je ne vois que comme un nuage. Je ressens comme s'il y avait plusieurs énergies différentes. Ok, alors je vais te donner des possibilités, puis tu sens si ça vibre ou pas. Est-ce que ce sont des femmes? Oui. Bon, ben voilà. Est-ce que ce sont des êtres venus d'autres planètes? J'ai entendu pas forcément. Ben c'est oui ou non? Ça veut dire qu'il peut y en avoir aussi? Ça veut dire qu'il peut y en avoir, mais ce n'est pas le principal. Le principal, ce sont des... La majorité défunt, oui. D'accord. Donc, tout à l'heure, tu disais qu'elle elle les ressentait particulièrement. Donc, est-ce qu'elle a cette faculté à ressentir les défunts? Oui. Elle peut sentir des présences, mais elle se l'explique pas. Elle ressent quelque chose. Mm-hmm. Elle ne se dit pas forcément, ce sont des défunts. Non, mais elle sent quelque chose qui change dans l'énergie et elle est réceptive. Ça, oui. D'accord. Est-ce que ce sont des capacités médiumniques qu'elle peut être amenée à développer dans cette incarnation? Moi, ça me dit que oui, mais qu'il y a comme une méfiance, une incompréhension. Il y a comme une peur chez elle d'ouvrir une porte et de ne pas pouvoir contrôler ce qui arrive. Et en même temps, une curiosité. Son énergie, elle semble un petit peu, en tout cas de ce que j'en ressens, un petit peu peut-être dispersée, manque d'alignement. C'est peut-être ça qui... Regarde déjà si c'est le cas, s'il y a un manque d'alignement, et regarde si en alignant, il n'y aura plus cette peur. Enfin, de fait, si on est aligné, il n'y a aucun problème à contacter les défunts, c'est ce que je veux dire. Elle a besoin de se recentrer, mais il y a comme aussi une notion de, pour passer à ça, il faut régler d'autres choses avant. Oui. Comme s'il fallait qu'elle soit sereine, en paix avec elle-même. Il y a une idée de régler des choses dans sa vie, comme s'il y avait des choses qui vont vite, qui la submergent. Et ça la brouille émotionnellement. Et c'est ça qu'elle ne se sent pas prête à passer à une autre étape. C'est vraiment ça. C'est besoin de se poser, se réaligner. J'entends même s'ancrer. Je suis toujours figée sur cette image-là. Oui, oui, tu as raison. Je te fais revenir. Tu as tout vu? Tu as vu ce qu'il y avait à voir? Oui, bon. Oui. Alors je compte de 3 à 1 et à 1, tu reviens ici et maintenant auprès de l'énergie de José. 3, 2, 1, maintenant. Déconnecter de cette image et retour autour du champ énergétique de José. C'est un espace de création. Alors, étant donné qu'elle participe énormément à sa séance, ben, demande-lui si ce qu'elle veut te montrer d'autre, hein, dans son, peut-être dans son corps, dans son histoire. Dans sa mémoire, de quoi elle veut parler aujourd'hui? Elle me montre des planètes. Il y a un intérêt, une curiosité à savoir ce qui se passe là-bas. Mm-hmm. Elle me montre vraiment. Il y a quelque chose lié à son cœur, quelque chose qui la lie à l'extérieur de la Terre, elle me dit. Quelque chose qui la relie à l'extérieur de la Terre. Je répète parce qu'il y a une petite coupure. Hein. D'accord. Oui, okay. Ok. Très bien. Oui, elle parle vraiment d'intérêt, de curiosité, d'aller
explorer, comprendre. Une attirance. Une raison particulière que soit attirée particulièrement. Elle me parle de souvenirs. Souvenirs d'incarnation dans d'autres lieux. Toi, c'est comme des choses qui lui reviennent un petit peu à la fois. Comme un vague souvenir de d'autres choses qu'elle me dit, d'autres choses que ce qu'elle vit ici. Elle ne m'en dit pas plus. Ouais, c'est déjà pas mal. Puis la partie physique, elle a l'air vraiment d'accord avec tout ça. Maintenant, elle me remontre comme si elle avait une. Tu vois les lunettes pour. Longue vue. Les longues vues, là, pour observer les étoiles et tout. Et elle me montre qu'elle regarde et qu'elle imagine la vie sur d'autres planètes. Comment ils fonctionnent. Il y a vraiment un intérêt, une curiosité à apprendre. Elle me dit en même temps, c'est un échappatoire pour. Parce que parfois la vie est lourde ici, ça fait du bien de s'échapper. Elle me dit, on est comme dans un bocal ici, sur Terre. On est enfermé dans un bocal. Et pour elle, ça symbolise quand elle me montre le ciel étoilé, les planètes, c'est comme si c'était une espérance de liberté après. Il n'y a pas de limitation. Elle me dit, mais revenons à notre bocal. Revenons à notre bocal. Oui. Puisqu'on est là. Ok. Donc, on n'a pas tellement de, pour l'instant, de points de travail. Hein. Donc, des douleurs dans le corps, un manque de fluidité, des pertes d'énergie, des fuites d'énergie. Un petit manque d'alignement. Est-ce que j'ai juste pour l'instant? Oui. L'estomac aussi. Ah oui, les douleurs d'estomac qui sont liées à des frustrations, au fait de la responsabilité de la famille. Oui, elle dit qu'il y a... C'est ça, en fait, réaligner, ben, c'est quelque part nettoyer tout ça, remettre de l'ordre. Est-ce qu'il demande de lui si elle souhaite nettoyer son arbre généalogique, c'est-à-dire ses ascendants, sa descendance, et puis les branches transverses aussi? Elle dit qu'il y a du boulot. Hein. Oui, effectivement. Mais on va peut-être commencer par ça, pour dénouer l'estomac. Elle me parle de dissonance dans son arbre, des choses dissonantes. C'est le mot qu'elle m'a dit. D'accord. Disharmonieux, quoi. Le contraire de l'harmonie. Disharmonieux, voilà. Il y a des fardeaux. Il y a du poids. Elle me montre comme un arbre avec des branches qui sont lourdes et qu'il est temps de faire une petite coupe de printemps. Pour alléger. Eh bien, on y va. Est-ce que c'est OK pour toi, José, d'aller nettoyer ton arbre? Allez, super. Donc, Sonia, tu vas accompagner la partie subtile. Et José, ben, je t'invite aussi à participer. Donc, tu peux peut-être fermer les yeux et simplement visualiser, percevoir ou juste savoir que ton arbre généalogique est là devant toi. Peut-être simplement comme un arbre, l'arbre de ton choix ou l'arbre qui s'imposera à toi naturellement. Et maintenant, cet arbre se trouve toute ta généalogie, tous tes aïeux. Tes ascendants, tes descendants également. Et sache que tout le travail que tu feras aujourd'hui sur tes ascendants aura des répercussions sur tes ascendants pour leur plus grand bien et celui de toute la famille.
Donc, José, maintenant, je vais te demander de prendre l'outil que tu souhaiteras, ou peut-être qu'il va s'imposer naturellement à toi, ce peut-être. Une scie, des sécateurs, des ciseaux, une hache, peut-être une tronçonneuse, qui sait. Qu'est-ce qu'elle utilise d'ailleurs, Sonia, dis-nous. J'aime bien, moi, savoir ce que la partie subtile, elle a décidé d'utiliser. C'est vraiment la tronçonneuse. Hein. Vroom, vroom. C'est Ouais. exactement ce que José vient de me montrer. Elle dit, elle, c'est tronçonneuse. Elle rigole pas. Exactement ça. Non, non, elle est bien décidée. Tu sais ce que tu viens de faire, vroom vroom, là? C'est Oui. ce que venait de faire José une seconde avant. Ça, c'est fou. Ouais. Ok, très bien. Alors, on va se reconcentrer sur l'arbre. Donc, José, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu vas pouvoir faire chauffer la tronçonneuse et tu vas couper toutes les branches qui ne te servent plus, voire qui desservent ton évolution. Tout ce qui t'a été transmis, qui ne te sert plus, voire qui t'est néfaste, tu vas pouvoir maintenant le couper en justesse et vraiment pour le plus grand bien de tous. 1, 2, maintenant, je t'invite à élaguer. Ton cœur sait, tu vas savoir intuitivement qu'est-ce que tu peux couper aujourd'hui. Toutes celles qui te maintiennent en arrière, qui te maintiennent dans de basses vibrations, tu coupes tout ça. Sonia, tu peux nous décrire un peu ce que tu perçois? Elle a coupé. Ça l'a un peu fatiguée. Mais ce qu'elle m'a montré aussi, c'est que cette fuite d'énergie qu'elle a dans le côté gauche, eh ben, c'était lié à toute la lignée du côté féminin De son arbre. de son arbre, oui. D'accord, ok. Donc ça, elle a coupé. Elle a coupé avec ça, oui. Il y avait comme des pertes d'énergie, mais chez les femmes, qui donnent beaucoup. Chez les femmes qui donnent beaucoup. D'accord. Oui, qui donnent beaucoup d'elles-mêmes. Oui. Regarde si ça aura des répercussions aussi sur sa fille, petits-enfants, peut-être si elle en a ou quand elle en aura. Oui, ben ça me parle de. Que le féminin, le côté féminin reprend son pouvoir, prend sa place. Bien. Très bien. Oui, et garde une part d'énergie aussi pour soi. Se Oui. sert d'abord pour soi avant de D'abord donner. pour soi. On ne nous a pas appris hein, qu'il fallait commencer par soi. Mais... Enfin, si, charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais ce sont que des mots, on ne l'applique pas au quotidien. À part quand on commence à comprendre que c'est eux ou nous. Donc, on commence par soi. Et si chacun commence par soi, déjà, on est pas mal. Sauf qu'on nous a appris que c'était égoïste de faire ça. Mais non, pas du tout. C'est ça qui est juste, au contraire. Donc ça, c'est réajusté dans sa lignée, dans les femmes de la famille de José. Ça y est. Surtout pour José, parce que c'est pour elle qu'on travaille aujourd'hui. Oui, mais il y a comme s'il fallait réunifier cet arbre et parce que là maintenant je vois comme s'il y avait un côté féminin, un côté masculin. Oui. Et c'est comme s'il fallait insuffler quelque chose à l'arbre pour comment dire, pour tout réharmoniser, oui. Voilà. Ouais. Eh bien, José, elle peut faire descendre la lumière de sa propre source en connexion avec la terre. Donc la lumière qui descend de la source, l'énergie qui remonte de la terre-mère. Et cette énergie-là qui peut circuler dans les branches de l'arbre, dans la sève, et venir s'emmêler. Le féminin dans le masculin dans le féminin, tout
cela forme un grand tout harmonieux, paisible. Comment ça se passe? Ça change tout. Maintenant, elle a mis de la couleur aussi, il y a du bleu, et ça pétille, c'est brillant, et c'est beau. Ça lui plaît, comme ça, en tout cas. C'est plus équilibré. Très bien. Ok, alors on va laisser là l'arbre généalogique, et puis je t'invite à revenir sur l'énergie de José, et puis à voir. Tu regardes au niveau des fuites d'énergie. Estomac. Ouais. Oui, vas-y. Je vois que la lumière s'infiltre bien partout. Il n'y a plus de fuite? Non, il y a comme des cicatrices. Mais il n'y a plus de fuite. Dans la main gauche, il n'y a plus de fuite. Ok, alors on va activer le corps éthérique au niveau de ces cicatrices-là pour qu'il n'y ait même plus les cicatrices. Voilà, il n'y a plus rien, il ne s'est jamais rien passé en fait. Tout revient à la norme originelle. D'ailleurs, de manière générale, tout son corps physique, les tensions, l'estomac empli de lumière, de guérison issue de sa propre source. Regarde sa connexion aussi à la source. Tu disais qu'elle recevait beaucoup d'énergie. Est-ce que tout est OK? Tout est OK. Et elle me dit la frustration là, qu'elle avait, c'était principalement lié à son arbre aussi. D'accord. Et tout ça, c'est réajusté. Ouais. C'est réajusté. Est-ce qu'il y a autre chose dont elle souhaiterait te faire part avant qu'on aborde les questions de la partie physique? Non, elle me dit qu'elle est prête. Très bien. Oui. Pour montrer que c'est sérieux pour elle, elle met des lunettes. Ah oui, ça y est, c'est un moment sérieux, quoi. Voilà, c'est ça. Elle prend les choses avec sérieux et c'est ça qu'elle me montre aussi. Ok. Donc, la partie physique de José se pose des questions. Elle se demande pourquoi elle n'arrive pas à évoluer dans sa vie sentimentale. J'ai de nouveau le mot frustration. Oui, comme quelque chose qui n'est pas fluide, comme un chemin semé d'embûches, qu'elle me dit. C'est ça, elle ressent un blocage en fait. Elle me remontre son arbre, c'était lié aussi à son arbre. Ah, au féminin, tu avais vu? Oui, oui. Il y a chez José comme un refus de vivre la même chose que des femmes de sa lignée ont vécu. Mais il y avait des croyances là-dedans aussi. Comme si il y avait un côté passif chez la femme qu'elle ne veut pas vivre. Elle veut être actrice dans le couple, avoir sa place. Il y a vraiment comme si elle s'était battue avec une énergie, mais qui ne lui appartenait pas, des croyances de cet arbre que la femme, elle a du mal à trouver sa place. Est-ce qu'on parle de subir la domination de l'homme ? Il y a cette notion-là, oui, de ne pas pouvoir s'accomplir quand on est en couple.
Et il y avait une part d'elle qui inconsciemment était dans le refus de vivre ça. C'est comme s'il y avait eu un sabotage, mais lié à des croyances. Et là, maintenant, elle me dit, se rend compte qu'on peut vivre une relation de couple en ayant chacun sa place et en créant une harmonie, que c'est quelque chose, en fait, qu'un couple, on le crée. On le crée avec ses valeurs, ses désirs. Oui, elle veut une relation d'égal à égal et une compréhension. Et vu qu'elle est allégée de toutes ses croyances et de choses en réalité qui ne lui appartenaient pas. Donc maintenant, la voie est libre ? Donc, c'est oui, il y a une libération. Bon. Comme si elle allait voir les choses autrement maintenant. Ça semblait être vraiment inconscient, hein, mais très fort, imprégné dans son inconscient, ce qui pouvait perturber. Ouais. Elle me dit que ça va être beaucoup plus fluide maintenant, comme si ça allait être beaucoup plus évident. Elle me dit qu'elle sait ce qu'elle veut. Un bon début. C'est pas toujours évident, hein. Il y a des personnes qui savent même pas ce qu'elles veulent, alors pas évident d'atteindre des objectifs quand on connaît pas son objectif. Donc là, au niveau sentimental, elle sait ce qu'elle veut. Oui, elle me dit que sa liberté est quand même très importante, qu'elle veut pouvoir trouver un équilibre et pouvoir préserver sa liberté. Même être libre d'être elle-même aussi. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Ça, c'est possible quand on récupère sa souveraineté, en fait. Parce que je dis cette phrase, personne ne peut te bouger quand tu es souveraine. Tu peux te mettre en couple ou pas en couple, personne ne pourra te bouger de ton énergie. Ça ne changera rien, en fait. Donc, cette souveraineté-là, est-ce qu'elle l'a récupérée dans cet alignement ? Oui. Donc, est-ce qu'elle a encore la croyance que ça peut être dangereux pour sa liberté de se mettre en couple ? Non, elle dit maintenant qu'elle y voit beaucoup plus clair. Très bien. Après, à elle de voir si elle veut y consacrer du temps et de l'énergie à cette recherche de compagnon. Ok, très bien. Alors, José nous dit, quand je faisais des photos, il y avait très souvent des formes, des anges, des visages ou d'autres formes, comme son petit chien décédé. Elle voudrait savoir si c'est son imagination dans un premier temps. Donc, pareil, connecte-toi à un moment où José fait ses photos. Regarde qu'est-ce qu'il y a dans l'énergie. Déjà, regarde des photos, voir si les formes, elle se les a inventées ou pas. Non, ça me parle de qu'il y a bien des énergies qui sont là. Ceci dit, je voudrais juste faire une parenthèse. Quand je dis elle se les a inventées, ce n'est pas du tout péjoratif. On a le droit de s'inventer tout ce qu'on veut. Hein. On fait ce qu'on veut, du moment qu'on fait de mal à personne. Voilà. Mais elle est câblée avec... Enfin, câblée. Oui, ouais, non, j'aime câblée. Avec le monde invisible et il y a quelque chose qui passe. Elle perçoit, oui. Et il y a comme une attirance aussi des énergies vers José parce qu'ils sentent qu'il y a comme une interaction, elle ressent. Donc forcément, les énergies sont attirées aussi. Bien, 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 bien. Alors, quand elle dit qu'elle voit des anges, des visages,
Qu'est-ce que tu peux en dire? Son chien décédé? Est-ce qu'il y avait vraiment des énergies angéliques? Des visages? Est-ce que c'était des défunts? Est-ce que c'était vraiment son chien décédé? Oh, ça me dit qu'il y a de tout. Il peut y avoir des énergies lumineuses, mais il y a de tout. Il y a de tout. Il peut y avoir aussi. Alors Sonia, c'est pas il peut y avoir. Prends une photo, et dis-moi ce que tu vois. Alors là où je suis, là je vois vraiment, oui, une forme angélique, lumineuse, comme si elle était porteuse d'un message. Comme si elle était venue la rassurer, dire que tout va bien, qu'elle est guidée, protégée, qu'elle n'est pas seule. Ok. Là, oui, je ressens vraiment une force d'amour même qu'elle reçoit. Wow. Tu vois, c'est plus clair quand on focalise que sur une photo. Voilà, c'est ça, parce que... Voilà, là, je vois sur cet exemple bien précis. Oui. Très bien. Alors, d'où sa question suivante. Elle se demande si son médium à elle, son outil, c'est de passer par une caméra ou un appareil photo pour voir de l'autre côté. Ou est-ce qu'elle peut utiliser d'autres façons? Ben là, ça m'a dit vraiment oui, oui, oui. Si vraiment elle avait trouvé j'ai entendu le bon filon. Est-ce que ça veut dire qu'elle pourra jamais les voir autrement que comme ça ou pas? Non, mais c'est comme si c'était une porte d'accès facile. Plus facile, plus accessible. C'est comme si par ce biais-là, elle pouvait voir plus de choses, mais elle ne doit pas se limiter à ça. Il y a autre chose. Donc, on parle de transcommunication instrumentale, finalement. Mm-hmm. Oui, je vois. Tu vois aussi des orbes. Oui. Si elle pouvait en voir aussi sur les photos. Et son œil va être attiré vraiment par des petits détails que même d'autres ne verraient pas. Mmh. Ouais. C'est comme si elle apportait aussi des preuves, quelque part, comme si elle faisait le lien entre l'invisible et notre monde à nous. Ah oui, certains font ça. Il y en a qui font avec de la vapeur, de la fumée. Oui. Il y a des résultats qui sont assez impressionnants. Hein. Oui. Mmh. Ok, très bien. Ensuite, José souhaiterait savoir pourquoi elle a ce lien si particulier avec son amie d'enfance décédée qui s'appelait Juliana. Voilà. Est-ce qu'il y a un lien, il y avait ou il y a un lien karmique entre elle et Juliana? Quand tu m'as dit son prénom, j'ai ressenti vraiment dans le bas du ventre comme une décharge, tu vois. Et puis, ça m'a montré une image comme s'il y avait un cordon ombilical qui les relie toutes les deux. Mmh. C'est une forte connexion, oui. Qui les relie encore aujourd'hui? Oui, moi, j'entends le lien toujours là. D'accord, ok, super. C'est un lien d'amour. Mais encore, d'où vient ce lien si fort? Il y a eu des vies passées, enfin en tout cas là je vois une vie de deux sœurs très proches, même des jumelles, parce que je les vois identiques, c'est comme deux sœurs qui auraient vécu toute leur vie ensemble, très fusionnelles. Parce que là, je vois la vie qui avance et je vois elles sont âgées et elles vivent toujours à deux.
Je ressens beaucoup de frissons dans mes jambes. Prends l'information. Pourquoi Juliana, dans cette incarnation-là, elle a décidé de partir avant? Enfin, je ne sais pas si elle a décidé d'ailleurs. On va aller voir pourquoi elle est partie avant. Je parlais de son âme hein, qui avait décidé. Quand tu me dis ça, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question. Ce qui est venu directement, c'était son contrat d'âme. Oui, c'était ça ma question. Pourquoi elle est partie avant? Puisque là, tu montres une vie où elles étaient toutes jusqu'à la fin ensemble. Et là, pourquoi elle s'est séparée de sa sœur jumelle, je vais dire de sa sœur, entre guillemets. Pourquoi Oui. elle s'est séparée physiquement, en tout cas, de José? Donc, ce que ça implique pour José, en fait, c'est... Aussi, dans un second temps, mais la question, c'est pourquoi elle n'est pas restée avec elle, finalement? Dans cette incarnation, il y avait une raison. Alors, tu l'as dit, c'était son contrat d'âme. C'était décidé comme ça. Alors, c'était pour l'évolution de José ou c'était quoi, alors? Mais c'est comme si c'était un niveau d'expérience profitable à l'une comme à l'autre. Que ça leur permettait de grandir et de... Pas de couper le lien, parce que le lien, il est là, mais d'apprendre à grandir l'une sans l'autre. Comme s'il fallait à un moment prendre des chemins différents et faire des expériences, mais individuelles. Et en même temps, y a comme quelque chose qui est lié aussi au monde de l'invisible et qui a aidé José à s'ouvrir aussi au monde de l'invisible, à ouvrir cette connexion. C'est ça qu'elle apprend, José, en fait. D'accord. Comme si ça avait été vraiment un déclic aussi. Parce que ce contact, elle ne le perd pas. Et c'est comme si ça lui avait permis d'ouvrir des portes. C'est aidant dans son évolution spirituelle. C'est comme si elle veillait sur son amie, elle veille sur José. Tu vois, c'est comme si je la voyais de temps en temps l'observer. Et même lui envoyer des messages, parce que je vois comme s'il y avait un canal télépathique à quelque chose. Ok. Ouais. Alors, tu vas garder un fil, en tout cas, un pré-contact avec Juliana, et après les questions, on va voir si tu peux rentrer en contact avec elle, ok? Oui, ok. Bah alors, la question 5, de toute façon, c'est dans le protocole, hein, on va aller voir ta maison après. Alors, José aime beaucoup les oracles. D'ailleurs, elle en possède quelques-uns, mais elle aimerait savoir si elle les interprète correctement. Alors, rends-toi un moment où elle tire les oracles et regarde ce qui se passe. Moi, ça me dit qu'elle y va au feeling. En fait, qu'elle ne s'arrête pas à la signification, au protocole, je vais dire, presque de la carte. C'est comme si... c'est marrant. C'est comme si elle s'enfonce dans le dessin de la carte et elle va... En fait, c'est comme une porte aussi d'accès à l'invisible. Ben oui. Elle ne se contente pas de regarder, tu vois, la forme papier, l'image, le mot. Elle canalise, c'est comme un support. Elle canalise une information, on est bien d'accord. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, sa question, est-ce que je les interprète correctement? Je vais plutôt dire, est-ce qu'elle canalise l'information au bon endroit?
Oui. Et je vais le dire encore autrement, est-ce que l'information qu'elle canalise, qu'elle reçoit, est aidante, est lumineuse pour elle ou pour autrui? Oui. Mais y a cette impression que c'est plus compliqué pour elle-même. C'est comme si l'information pour des questions extérieures ou d'autres personnes, ça vient, c'est fluide. C'est Et normal. pour elle, c'est comme si c'était plus, ça bloque un peu plus. C'est toujours comme ça. On me dit c'est cordonnier et puis mal chaussé. C'est vrai en plus. Tu sais, ça me fait penser comme aux dentistes. Ils ne peuvent pas soigner eux-mêmes. Donc, les dentistes, ben, ils vont voir son collègue dentiste et ils se soignent les dents entre eux. Ben là, c'est pareil. Pourtant, il sait soigner les dents. Il ne peut pas soigner les siennes. Oui, et quand elle, je vois qu'il y a comme une forme très lumineuse près d'elle quand elle se connecte à ses cartes. D'accord, une énergie Oui, lumineuse. c'est comme un guide qui lui, comme si on lui soufflait des choses à l'oreille aussi. Bah, super. Tout va bien, José. Et qu'est-ce que tu fais là? T'as pas besoin de nous. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, tu seras libre et souveraine. Donc, depuis quelque temps, je te laisse voir, Sonia. Elle a dit qu'elle a un problème aux mains et aux pieds. Et alors, ben, aux mains, on a vu tout à l'heure, mais elle aimerait savoir si ce sont des conséquences de la chimio qu'elle a eue. La chimio, pardon. Oui, je vois comme c'est comme une couleur différente qui a, mais une couleur un peu comment on peut dire ça, fluorescente là, je sais pas. Oui, j'ai pensé quand j'avais vu la même chose que toi. Phosphorescente, fluorescente. Oui, c'est ça. Ouais. Ça me parle de résidus. Là, je dois me projeter sur avant parce que là, Oui, je voyais plus tout ça. Donc, ouais, faut comme que si ça a été ça y est transmuté, plus. ça a été nettoyé. Oui. D'accord, ça y est plus aujourd'hui. Non. Mais oui, ok. Donc, il y avait ça avant, mais ça n'est plus aujourd'hui. Donc, c'est l'essentiel. Donc, c'était lié vraiment à la chimio ou est-ce qu'il y avait autre chose? Oui, c'était lié. Parce que moi, ça me dit que c'était comme des résidus chimiques. Enfin, Est-ce c'était au niveau, oui. que c'est un rapport avec les fuites énergie que tu as observées dans ses mains? Non. Ah, Non, ça d'accord. c'était lié vraiment à l'arbre. Puisque c'était qu'une seule main. D'accord. Tandis que là, je le vois dans les deux mains, c'est ces résidus. C'est comme un nettoyage qui devait se faire, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps. Si on n'avait pas tout nettoyé, tout réaligné, ça aurait fini par partir, mais un petit peu à la fois. Alors, un petit peu à la fois, c'est petit à petit, hein. C'est ça. Pour nous qui ne sommes pas belges. Ouais, Ah j'explique. oui, ok, d'accord, on n'a Parce pas que les mêmes moi, je le sais expressions. maintenant. Mais des fois, ça peut faire bizarre pour les Français, pour Ah les. oui, mais ça, je ne savais pas. Donc, voilà. C'est Pour nous, ça. c'est petit à petit. Ok, merci. Merci, Sonia. Ouais, je le fais encore. Alors, ta dernière question, José, elle n'est pas finie. J'ai un mot ou un nom qui résonne en moi, mais il n'y a pas la suite.
Écris-le sur le chat, s'il te plaît. Et puis pendant ce temps, si tu peux, hein, en quelques mots, ou sinon, ouvre ton micro, c'est pas grave, dis-le. Pendant ce temps, Sonia, essaie de voir si tu peux ajuster ta vibration et rentrer en contact avec Juliana. Regarde si elle est là, son énergie. Alors, José, vas-y. C'est féerique. Oui, d'accord, mais et alors elle est où la question? Il n'y a pas de question là. J'ai un mot qui résonne en moi, c'est féerique. C'est toujours féerique. Et quand je vois des affiches, où, je l'ai déjà vu, cette affiche féerique. Et alors je sais pas. Ah, le mot, c'est féerique. Oui. Ah, oui. Mais tu aurais dû le mettre en guillemets alors, parce que sinon je ne comprenais pas. Ah, ok, d'accord. Je croyais que le mot était féerique, parce non, qu'après il y a un J. J'ai cru que la phrase, elle continuait. C'est le mot féerique. Tu le vois sur des affiches, tu l'entends. Oui. Ok, je recoupe. Super. Merci. C'est plus clair comme ça. Ok. Donc, elle a ce mot, donc, féerique, qui résonne en elle. Elle voit des affiches où il y a écrit féerique. Voilà, c'est, tu sais, comme ceux qui voient des hommes miroirs partout. Et elle voit féerique partout. Et ça résonne en elle. Pourquoi? Oui, mais c'est vraiment. Du coup, je dis la question, elle n'y était pas. Pourquoi? Peut-être, c'était la question. C'est vraiment le message de cette partie supérieure, de dire, de. On lui dit, c'est la magie de la vie, que c'est vers ça qu'elle doit se tourner. Moi, ça me parle vraiment de sortir de. Comment dire, d'une certaine rigidité, d'un contrôle et de se lâcher, de parcourir, d'explorer. C'est vraiment lié à l'invisible, c'est d'être sans limite dans l'exploration. Et c'est une magie, la magie de la vie. C'est comme si on la poussait à ce moment-là à retrouver l'enfant intérieur qui se préoccupe pas de tous les problèmes et qui vit le moment présent et dans la joie, dans le bonheur, qui rit. Et puis qui s'autorise à vivre la féerie. Oui. Qui se préoccupe pas des problèmes. Comme si ça se. Le fait de vivre l'instant présent, d'être dans la passion de ce qu'on fait, ça devient magique. C'est ce que j'entends. Merci Sonia. On va se laisser porter. D'ailleurs, je me sens déjà portée par les énergies qui vont nous conduire peut-être à entrer en contact avec Juliana, ou en tout cas peut-être recueillir un message pour José. Sans rien forcer, juste percevoir, ressentir peut-être des sensations, peut-être des odeurs, peut-être simplement des mots, peut-être des images, juste rapporter tout ce qui est là, tout ce qui est perçu. Moi aussi, ça me traverse de partout et j'ai perçu on n'est pas coupé. Ah oui, on est toujours en lien. C'est un lien de cœur qui est indestructible. Ça me fait des frissons, je dis pas. Ah oui, moi aussi, c'est presque désagréable. Ça, oui, exactement. Dans les cuisses. Ouais. C'est vraiment là que ça vibre très fort. Ouais. Elles sont passées par. Elle parle de José comme sa petite sœur de cœur. Vraiment, ce que je ressens, c'est que elle va bien. Oh là là, mais là, elle est là, parce qu'elle me. Oh, c'est pas possible, ces frissons, là. Oui, c'est beaucoup, beaucoup de.
C'est beaucoup, beaucoup de frissons, hein. C'est beaucoup d'énergie. Elle me parle du cœur, ouverture de cœur. Et là, je vois comme quelque chose qui se transmet ouais, de cœur à cœur. C'est comme si elle lui envoyait des couleurs pour la nourrir. Elle me parle de créativité. C'est comme si elle lui envoyait des couleurs qui sont en relation avec la créativité. Alors moi, tu vois, elle m'envoie... C'est un soin. Ah, excuse-moi, hein, parce que moi, elle m'envoie comme si elle me coupait la respiration, tu vois. Il y a eu un truc là, hein, est parti de... C'est comme si je m'étouffais, tu vois. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, mais ça, elle m'envoie ça. Je suis désolée, mais je voyais qu'elle voulait rentrer en contact parce qu'elle avait les frissons qu'elle m'avait donnés. Mais... Tu vois, j'ai envie de respirer d'un coup là. Attends, je lui demande de ralentir là parce que j'ai la tête qui tourne. Oui, donc elle voulait vraiment montrer ça. Hein. Il y a eu un truc, sensation d'étouffement. C'était assez dur. Hein. Alors moi, j'ai ce truc, ils me demandent toujours comment ils sont partis. Là. C'est pas un cadeau, hein, je peux vous dire, mais c'est bon, ça y est, c'est passé. C'est passé, ok. Excuse-moi Sonia, je fais passer le message. Non, c'est bien. Moi, je ne ressens pas comme toi des sensations. Ouais. On ne reçoit pas les mêmes choses. Moi, c'est ce que je vois, c'est qu'elle lui a envoyé comme un soin. Et c'est sous forme de couleur. Et c'était puissant. Il y a comme quelque chose, elle est comme une guérisseuse. Elle a ça en elle. Mais tu vois, moi, elle me montre là qu'elle danse et que quand elle danse, ça crée une énergie qui guérit en fait. Tu vois, c'est comme, ah, on me donne encore des frissons. Elle tourbillonne comme ça et ça crée une énergie, un champ vibratoire autour d'elle, ouais. Et du coup, ça rayonne comme ça. Oh, c'est trop bien. Merci Juliana, parce que là j'ai souffert avec l'étouffement et là elle... Sonia, je pense qu'elle est en train de m'envoyer aussi un soin, regarde. Quand tu as parlé de tu la vois tourner sur elle-même, ouais. Et c'est ce que je vois aussi, et ça flamboie de couleurs tout autour d'elle. Ouais, super, ben merci beaucoup. On dirait qu'elle va envoyer un soin à chacune d'entre nous, en fait. Ce truc, c'est super. Même ce qu'elle fait, j'ai l'impression que ça travaille aussi au niveau du chakra couronne. Je ressens ouais, ça... comme ouais. Quelque chose ici, oui. Oui, comme si elle nous avait envoyé quelque chose pour nettoyer. Ça me fait penser à une énergie chamanique un peu, tu vois. Un petit peu chaman, c'est ça, José. Ouais. M'étonne pas. Il y a un truc de chaman. Mais dis donc, elle a l'air vraiment très puissante dans l'espace où elle se trouve, hein, en fait. Ouais, parce qu'elle me fait comme ça, tu vois, comme pour de la télépathie. Bon, tu peux pas voir, Sonia, mais elle me fait comme ça, un doigt de chaque côté de la tempe, là. Qu'est-ce qu'elle fait sur le plan où elle se trouve? Parce que je ressens vraiment une puissance. J'ai entendu, elle danse. Tu vois, je vois comme... ça m'échappe, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les danses très lentes. Là, c'est pas une danse, en fait. C'est comme un art martial. Le tai chi, c'est ça, hein? Oui. Oui, le tai chi, le qigong. Voilà. Comme si c'était des mouvements, mais vraiment, c'est pas improvisé, hein, c'est quelque chose de calculé en même temps.
Chaque mouvement a une raison. Chaque mouvement a une raison, a une couleur. J'entends une résonance. Et il y a l'idée de nettoyer des énergies, hein, comme ça aussi. Ah, je vois comme si... je ne sais pas. Parce que ce qui vient, c'est que je vois des âmes qui arrivent et elle me dit qu'elle les dépollue. Elle les aide. Ben, c'est ce que j'ai ressenti, comme si elle m'avait fait un soin là, après m'être étouffée. Là. Ça m'a fait du bien. Elle est dans, sur le plan où elle se trouve, elle aide. Ah ouais. Et elle a, je ressens de la compassion, vraiment. C'est un amour et sans condition. Hein, c'est... Quel impact elle a aujourd'hui dans l'incarnation de José? Est-ce qu'elle lui apporte une aide ponctuelle? Bon, là, tu as dit qu'elle lui avait transmis un soin avec ses couleurs. Est-ce qu'elle est actrice dans la vie de José? Est-ce qu'elle lui donne des messages? Est-ce qu'elle la guide? Ben, là, ça m'a répondu que quand José prend des clichés, des photos, c'est déjà arrivé qu'elle se manifeste par des couleurs. Comme si elle lui envoyait des choses. Là, je vois des couleurs. Comme si elle se manifestait aussi à travers l'objectif. Diverses manières. Ou avec... comme si elle poussait José à s'accrocher à des petits détails, mais qui sont symboliques. Super. Alors, je ne vais pas te demander ce qu'on peut faire pour elle, hein, parce que je pense que là, elle est bien. Je pense qu'on ne va pas pouvoir intervenir. Enfin, on n'a rien à lui apporter. Je me trompe, je... Oui, il y a une notion qu'elle est là pour un moment. C'est comme si elle n'était pas prête à se réincarner, ce que je perçois. Est-ce qu'elle elle a pour le moment son utilité de l'autre côté. Oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle va attendre José, sa sœur? Ça n'a pas beaucoup de sens, la question. C'est comme si... Ah oui, pour elle, elles sont ensemble de toute façon. Oui, donc voilà, ça ne peut pas avoir de sens. Astrid, enfin. Je comprends. Voilà, comme s'il n'y avait pas de séparation, donc attendre quoi, ben oui. Ça ne résonnait pas. Quoi. Ben oui, là, je la vois vraiment dans une couleur dorée. Ah oui. Ouais. Wow, ouais, super. Super, ben, merci beaucoup Sonia. Ouais, ça me fait vraiment ressentir qu'il n'y a pas de séparation. Ouais. Ah oui, ben là, c'était très clair ce que tu viens de dire. Bon, on remercie beaucoup Juliana pour ces cadeaux. Franchement, moi, je me sens... C'est pas que je me sentais mal avant, mais je me sens, je ne sais pas, une sorte de légèreté, quelque chose qui est passé vraiment. Ouais. Ben, merci José, du coup, grâce à toi. Merci à Juliana pour ce formidable contact. Et puis, on va la laisser... j'allais dire repartir d'où elle vient, mais je crois qu'elle est là, en fait. Hein, donc, on va juste se déconnecter. Parce que ces gros frissons, là, c'est ouf. C'est tonique. Donc, on va simplement se déconnecter de son énergie avec vraiment énormément de gratitude pour les cadeaux reçus. 9. Et le 10, à ton rythme. Quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Et José, tu peux activer ton micro si tu as envie de nous partager quelques sensations, même si tu as été très expressive lors de la séance. Sonia, comment ça va? C'est bon? Ça va bien, merci. Ça va. Comment ça va, José? Ça va très bien. Tu m'entends? Très bien, oui. Ça va très bien. Justement, Juliana, j'ai eu des grosses maladies. Et avant chaque maladie, je la voyais sous, pas vraiment elle, mais sous d'autres formes. Ouais, j'ai toujours été prévenue avec les sourires, ou moins, je savais que plus ou moins, d'après son visage, ce qui allait se passer.
Donc, Ben, tu peux t'y fier, hein, parce que ouais. vraiment, l'impression... c'est la première fois qu'on a un contact partagé comme ça, Sonia. Oui, Hein? c'est un amour Ah oui, et de... puis là, je ne pouvais pas ne pas intervenir, quoi. Vraiment, j'allais m'étouffer, hein. J'étais pas bien. Hein. Ouais. Je sais pas si tu n'as pas vu, Elle a Sonia. eu le cancer, elle a eu un cancer des poumons, hein. Ouais. Bah oui, mais ça ne m'étonne pas. Ouais. Elle me faisait étouffer, donc tu vois, je savais qu'il y avait un truc. Ouais. Donc j'étais obligée de parler. Parce que j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, j'avais la tête qui tournait à Voilà. un moment. Ouais, super énergie. Sinon, globalement, la séance, Eh est-ce que bien. tu as eu des ressentis particuliers ou pas? Ce n'est pas une obligation, hein. Quand Juliana est arrivée, ça c'est sûr. Ah oui. L'arbre, moi l'arbre, mon arbre généalogique, je l'avais rasé à la base. Mais après, j'ai été rechercher une petite branche pour moi et mes enfants, pour mettre pas le paillasse. C'est génial, quoi. Je vous remercie infiniment toutes les deux. Merci. Non, franchement. Mais tu vois, c'est Et aujourd'hui qu'il fallait la faire, hein. oui. Peut-être qu'il y a 2 jours, on n'aurait pas eu Juliana, on ne sait pas. Non, Parce que ça les énergies, elles étaient, comme a dit Sonia, elles étaient en vrac, les énergies, il y a 2 jours. Je oui, sais bah, tout est en vrac ici chez moi. C'était en vrac. pas. Ah, mais Tout aujourd'hui, tu était. vas voir, ça s'arrange. Ah ouais, je Bah, remercie infiniment. Ah, bah, écoute, tu nous donnes des nouvelles, surtout, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Je voulais te dire, Sonia, Astrid, que un petit chat blanc m'a adoptée juste la veille de Noël. Et tu m'avais dit, c'est pas moi qui l'ai adoptée, c'est elle. Hein. Et tu m'avais dit, tu verras dans la matière des lapins aussi, parce que je suis aussi, je suis aussi une grande petite fille. Et j'ai vu le lendemain un magicien, parce que ça aussi, ça fait partie de mon état, féerique, tout ça, je le sens, mais je Ah, mais n'arrive je plus à t'avais dit l'identifier. ça sur un live alors. Oui, et j'ai vu le magicien et les deux lapins. Blanc, blanc, je précise. Donc, Ah oui, je t'avais dit, suis le allez lapin au blanc, pays des merveilles. au pays des merveilles, ça y est, ça me Oui. revient. Ah, c'est cool. Et voilà. Oui. Voilà. Et Je vais donc, vous il y a le laisser. chat blanc et le lapin, Ah, les il est là, lapins. il me suit constamment, constamment. Donc voilà, mon petit chat blanc, voilà, je vais le Bah dire. écoute. Ah, je vous embrasse très, très fort. Ben, Je nous vous aussi. remercie infiniment, infiniment, infiniment de votre aide de chaque semaine. On en a vraiment besoin. Et vous apportez, moi, c'est mon rendez-vous où parfois je rentre presque de rentrer.